Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Basta Show, deuxième épisode. Alors on se retrouve chaque semaine avec un invité différent dans différents endroits. Aujourd'hui on est avec Johnny Bitchy. Salut Johnny. Salut Mathieu. Dans le Basta Show, nous parlons de mon rugby, le rugby de l'invité et surtout de tout ce qui fait qu'on aime ce sport. Alors Johnny, c'est quoi ton rugby à toi ? C'est une aventure humaine, collectif avec un esprit d'équipe qui est extrêmement fort dans notre sport. J'aime bien parce que c'est pour tous les gabarits, tous les tailles, donc une appréciation pour chacun, son poste, les qualités physiques, mentales, techniques, qui est quand même extra. Et avec ça, il y a des valeurs, solidarité, respect, et le travail collectif qu'on ne trouve pas autre part, et c'est ça que j'adore. Comme vous pouvez voir, c'est pour ça que j'ai choisi Johnny, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Il est écossais, je suis français, et pourtant on a les mêmes valeurs, on n'a jamais joué ensemble. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, on n'a jamais joué ensemble, on a joué l'un contre l'autre, mais on partage les mêmes valeurs, et c'est ça qui fait que voilà, ce sport il est quand même vraiment si particulier. Johnny, je t'ai invité ici, comme tu peux voir le soleil, voilà, le ciel bleu, la mer, c'est le sud, le sud-est. Toulon, ma ville maintenant, même si je garde quand même le cœur parisien, mais Toulon, ça, c'est particulier pour moi. On s'est rencontrés, on joue l'un contre l'autre depuis, ça a commencé je crois il y a 10 ans. Plus. Depuis 10 ans peut-être. On est vieux. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus très jeune. Et on s'est retrouvés après, on va dire en dehors des terrains. Toi tu as arrêté un peu plus tôt que moi. Et je me souviens, tu m'avais envoyé des messages quand je m'étais blessé. Ça m'avait touché parce qu'on ne se connaissait pas forcément, mais j'avais beaucoup apprécié voilà, le soutien que tu m'avais fait. Et après, on a partagé aussi d'autres aventures avec, par exemple, le Rugby City Guide. C'est vrai. Je t'avais fait découvrir la ville de Lyon. On avait bien rigolé. On a bien mangé surtout. On avait bien mangé, ouais. On avait fait du pâté croûte et non pas le pâté en croûte. C'est le pâté croûte, ça c'est très très important. On va de suite aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu as vu les matchs ce week-end ? Oui, c'était compliqué pour pas mal d'équipes, mais des matchs d'haut niveau, on va démarrer avec l'équipe de France. Ouais. On est un peu obligé quand même. Le sujet qui fâche, mais qui chagrine un peu. Ouais. Mais c'était quand même le match que tout le monde, je crois, moi aussi, les supporters qui sont neutres, ils voulaient voir ça comme finale pour le Coupe du Monde. Et ça, on a vu une équipe, à mon goût, une équipe à la fin d'un cycle, avec pas mal de changements, qui a perdu pas mal d'automatismes, surtout en touche, qui se retrouvait dans le dur quand même. Donc voilà, je pense que c'est clair qu'il y a des séquelles, soit mentales, physiques, et ça laisse des traces. Aussi le contexte, Irlande, pas de changements, la grosse équipe, staff, ça n'a pas changé. La Fédé qui gère, donc les joueurs ils sont pas sur le terrain en permanence. Ici en France, les mecs ils sont enchaînés depuis ce Coupe du Monde, quand même, clair. Une quinzaine de matchs. Donc, quand on voit le contexte avec un peu de recul, c'était compliqué quand même pour l'équipe de France. Donc, c'était triste de le voir comme ça, mais on le sait bien, avec une équipe de France, c'est très fier des mecs, un petit pic, et ils vont se rebeller, ils vont se réveiller. Donc, j'ai un peu peur pour les Écossais ce week-end quand même. Mais voilà, c'était compliqué, c'était un match compliqué à regarder. Moi, j'étais au stade vendredi soir. C'est vrai que dès le début du match, on a senti que ça allait être vraiment très, très, très difficile. Après, c'est vrai qu'il y a eu le carton rouge qui nous met à 14, qui nous pénalise. Mais moi, en tout cas, j'avais le sentiment que même à 15, c'est pas sûr qu'on aurait gagné ce match-là. Pas facilement, mais quand même, vous avez les moyens, les joueurs, avec les capacités physiques et techniques de gagner ce genre de match. Ouais. Mais c'est quand même aussi les Irlandais qui sont depuis 2-3 ans classés numéro 1 au classement, qui sont super forts. Ils ont laissé le Coupe du Monde. C'était le premier Coupe du Monde où on espérait d'avoir un vainqueur d'hémisphère de Nord. Et pour nous, c'était soit les Français ou les Irlandais. Donc c'est une grosse équipe quand même. Après, c'était deux équipes qui aussi avaient perdu, qui étaient favorites pour la Coupe du Monde, qui avaient perdu un quart de finale. Je pense qu'on attendait tous de voir comment ils allaient rebondir sur le premier match international. Surtout qu'en plus, on disait que c'était le meilleur moyen de rebondir face à une des
que ce soit l'une ou l'autre, l'une des meilleures équipes, c'était les deux favoris. Bah, là, force est de constater que l'Irlande a mieux digéré cette Coupe du Monde. Moi, je sais qu'en France, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que les mecs ont préparé ce match pendant 2-3 semaines. Et pendant 2-3 semaines, j'avais l'impression qu'on parlait encore tout le temps du quart de finale. Ah, on avait du mal à se projeter sur ce match-là, sur le tournoi de destination. Je ne sais pas comment, tu vois, de l'étranger, comment vous avez vécu ça. Mais moi, en tout cas, en France, ça m'a gonflé. T'as une équipe qui arrive, ce qui est l'Irlande, qui était ultra favorite. Je pense qu'il fallait plus se concentrer sur eux que de ressasser. Je prends un exemple qui est lointain, mais qui a fait mal, je pense, à la France pendant longtemps. C'est la finale de la Coupe du Monde 2011. Mm-hmm. Pendant peut-être 10 ans, on en a reparlé avec en parlant de l'arbitrage de Joubert. Je pense que tant qu'on on restera... Plus loin, même de 95. Oui, ouais, exactement. Donc, exactement. Je me souviens de documentaire là, quand il préparait le match du quart de finale, qui remettait encore, je crois que c'est l'essai ou le non-essai de Abdelatif Benazi. On a tendance à ressasser les choses et je pense que ça, c'est. Ça nous dessert pas mal, ça. Oui, mais sur c'est la presse. Hein. Je peux pas voir Fabien Galthié avec son nouveau staff parler de tout ça. Même si, moi le premier, on est tous là à dire « Ouais, on lit pas la presse, etc. » Mais tu le vois, tu l'entends. Avec les réseaux sociaux, les journaux, t'es obligé de... Bien sûr, ça t'affecte un petit peu quand même. Peut-être un petit peu quelque part, mais j'espère bien que dans leur boule, l'équipe de France, ils ont un focus, c'est le match, comment ils vont gagner la suite. Pas de regarder en arrière 20 ou 30... Combien d'années? Donc, oui, c'est un truc qui est médiatisé, mais dans le côté professionnel de haut niveau, je crois que Fabien Galthié et son staff, ils sont bien entourés quand même. Ils doivent se concentrer sur les matchs qui arrivent. Donc, oui et non, on est d'accord, mais pas. Quand on voit le match quand même, on voit qu'ils ont perdu pas mal d'automatisme. Tu vois, avec un nouveau staff, une nouvelle annonce, ça l'est pas. Et puis derrière, c'est la presse aussi qui assassine quelques joueurs, mais. Avec une conquête qui ne va pas. Tu fais référence à Maxime. Bien sûr. C'est vrai qu'il est beaucoup pointé du doigt, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de frustration de ne pas avoir Antoine Dupont sur ce tournoi-là? De s'en prendre autant à Maxime? Peut-être. Peut-être aussi, c'est un ressenti du pays, j'en sais rien. Mais enfin, je pense que tu peux mettre Toto, Maxime Lucu, Le Carec ou Yachvili sur le terrain. Ça ne change pas grand-chose sur ce match. Qu'on perd 6 ou 7 balles en touche, on est dans permanence en reculant, soit en défense, soit en attaque. C'est pas Antoine. On peut pas dire à Antoine va débloquer une situation 10 000 fois, c'est plus possible. Surtout que maintenant il est de plus en plus attendu. Exactement. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Non. Quoi que ce soit. Après, c'est pareil. Antoine, il a fait son choix d'aller sur le circuit 7 depuis un moment. Là aussi, on a fait que parler de ça. Est-ce que tu penses, même s'il doit avoir un petit peu l'habitude, que ça a eu un impact aussi sur le jeu de Maxime Lucu? Quand je vois Maxime actuellement, qui fait des matchs de très haut niveau pour Bordeaux tous les semaines, pour lui c'était sa chance d'être titulaire. Et puis c'était. Tu penses qu'il s'est mis trop de pression Non, honnêtement, je pense que c'était Ronan O'Gara récemment a dit les matchs ils sont décidés par les postes 1 à 10 et de 12 à 15 de combien. Mais quand on file des qualités de ballon à Maxime et Jalibert, les ballons qu'on a filés, c'est pas possible. Tous les deux, on a joué des matchs comme ça. Pas de conquête, mêlée qui avance pas, touche, pas de ballon gagné. Mais t'es jamais dans l'avancée, donc c'est hyper dur. Donc pour lui, en fait, tous les ballons sont ralentis, de conditions pourries. C'est mission presque impossible. Ça, ouais. Donc on a tous fait des matchs comme ça. À dire que les matchs, ils se gagnent d'abord devant. Exactement. Donc pour lui, j'ai mal au cœur pour lui, parce que moi, je trouve c'est un compétiteur. Il a des qualités formidables à regarder. Moi, j'adore ce mec, ce joueur. Donc voilà, j'étais dégoûté pour lui, mais aussi pour d'autres, comme Willemse. Le fait qu'il a raté sa Coupe du Monde avec une blessure, là, il revient, il veut se montrer, amener ce côté physique qu'il a. Deux impacts et. Ouais, avec cet engagement. Quoi. Mais voilà, mais l'équipe, il est à 14 pendant 70 minutes. Donc voilà, ça aussi, tout ça, il y en a fait sur le contexte du match. Et voilà, l'équipe va rebondir contre les Écossais avec 15 mecs. C'est un autre contexte, complicité de match quand même. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est la première sélection de Possolo Tulagi. Ouais.
Moi, ça m'a fait plaisir parce que moi, j'adore ce type de joueurs. Parce que c'est des joueurs, dès qu'ils ont la balle, voilà, ça renverse 3-4 mecs, ça avance. C'est cette famille. Alors, hein. Même si je pense qu'il n'est pas encore, on va dire, à point pour l'équipe de France et pour le niveau international, mais il n'y a qu'avec des matchs comme ça qu'on apprend. Je pense que c'est le phénomène des prochaines années, ça c'est sûr. Il y en a deux en plus. Il y a Miafou qui va arriver aussi, donc voilà, la pose de 5, vous êtes pas mal armé quand même, mais Posolo, il vient d'une famille, il y a Manu qui joue pour les Anglais, Alessana, Freddy, son papa, donc voilà, ouais, qualité, il faisait peur. Donc, il faisait peur. J'ai joué contre lui, je peux te dire que... Il faisait peur à tout le monde. Oula. Donc les qualités physiques, il en a, c'est encore cru. Il a 19 ans, donc avec le temps qu'il va jouer en top 14. C'est un diamant brut. Voilà, donc il va développer, c'est un autre monstre, et bien sûr qu'on peut compter sur lui pour l'avenir. Mais c'est un phénomène, hein, tout simplement. Mais encore une fois, on ne doit pas mettre beaucoup de pression, parce que là, c'était une expérience, c'était avec les blessures qu'il joue. Ouais. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Non, mais déjà, il se baignait dans le grand bain, au stade, devant 60 000. C'est l'expérience. Et maintenant, il va avancer, il va progresser et il va certainement amener quelque chose pour les années qui viennent. Ouais. En tout cas, chapeau aux Irlandais. Ils nous ont gâché le week-end. On peut pas dire autre chose. Ils nous ont gâché le week-end. Et maintenant, il va falloir se projeter sur le prochain match. Et là, on va être un peu moins copains. Écosse-France à Murrayfield. Moi, j'ai de très bons souvenirs à Murrayfield, d'ailleurs. Bon, un peu moins. Moi, j'ai des très bons souvenirs là-bas. Je suis obligé de te poser ces questions-là. Qui est-ce que tu vas supporter samedi prochain? Bizarrement, on est allé au match de préparation à Murrayfield avant la Coupe du Monde avec ma famille. Et mon fils maintenant, qui a 7 ans, qui est dans l'école de rugby de Hossegor-Capreton, a regardé l'Écosse gagner ce jour. Il a pleuré pendant 40 minutes après ce match. Donc lui... C'est assez clair que lui, avec ses potes à l'école, il est français. Mais quand même, je suis obligé de rester fidèle. Je suis écossais, même si on a les deux passeports. Maintenant, on a le choix. Mais c'est l'Écosse. Hein. Donc j'ai hâte de voir, en plus avec le fiston, j'ai hâte de le voir si l'Écosse gagne. Mais fidèle, les Écossais quand même. Ça va être un gros match. Parce que t'as l'Écosse qui sort du match au Pays de Galles où ils ont fait une première mi-temps juste de folie. En deuxième mi-temps, ils ont subi un peu là, le retour, on va dire, des Gallois avec beaucoup de fierté. Ça a été chaud. Et l'équipe de France qui vient de prendre une gifle à la maison, ils vont arriver plein de revanches. Ça peut faire un gros match. Hein. Un gros match. Mais l'équipe de Corse, on a vu deux visages. Ouais. Et pourtant, on n'a pas gagné à Cardiff depuis 22 ans. C'est le premier depuis 22 ans qu'on gagne. Donc, c'était quand même un exploit. Mais on menait dans ce match 27-0. Et ça se termine 27-26. Donc, on s'en sort, mais comme ça. Donc, on a vu les deux mi-temps. L'équipe d'Écosse dominante dans tous les sens, premier mi-temps. Les Gallois, mais catastrophiques. Ils montent. Mais que dalle, pas grand chose. Il y a Gatland qui, fin de match, il dit en fait, c'est le pire 40 minutes que j'ai produit comme coach dans ma carrière. Hein. Donc, c'est fort quand même. Mais il revient, il marque 26 points en deuxième mi-temps. Et les Écossais, pas invités. Donc, voilà, c'est historique. On gagne ce match, mais quand même, il y a des faiblesses, on va dire. Soit mentales, parce qu'une équipe Sudaf ou la France qui vient, je pense qu'il tue ce match et c'est 50 ou 60-0. Même moi, à la mi-temps, j'avais pas honte, mais j'ai commencé à crier pour les Gallois parce que je voulais voir un match. Le deuxième mi-temps, c'était leur match. Donc l'équipe d'Écosse, oui, c'est un peu Jekyll Hyde. Et à la fin du match, t'as quand même... c'est comme un stress post-traumatique. Hein. Ouais. Les Écossais, tout le monde avait les cœurs qui palpataient. Donc c'était chaud. Hein. Là, ça va être un match avec deux équipes qui ont beaucoup à prouver, en fait. Exactement. C'est ça, je pense que l'Écosse va vouloir, eux, se rassurer sur ce qu'ils sont capables de faire pendant 80 minutes. Et l'équipe de France, ils ont besoin et la nécessité de montrer un autre visage. De se réveiller, mais de se rebeller. Hein. Parce que c'est quoi le deuxième échec affilé pour l'équipe de France?
Je sais pas quand c'était le dernier fois que vous avez enchaîné trois défaites. On parle pas parce que je devais être dans cette équipe. Mais ça fait très longtemps. Donc, en plus, je sais bien, une équipe française qui est piquée, Pro D2, Top 14 ou National, ça fait peur quand même. Donc, ouais. Moi, j'ai bien peur que... Voilà, tu as déjà parlé de ton record à Édimbourg. Tu as gagné beaucoup de matchs. Moi, j'ai pas gagné beaucoup contre l'équipe de France. Et donc voilà, j'ai bien peur qu'à 15, avec le puissance que vous avez, ça va être un autre match ce week-end à Murrayfield. Donc, Bah justement, sur le fait que ça fait très longtemps que... Enfin, pas si longtemps que ça, je crois que l'équipe d'Écosse n'a pas battu l'équipe de France chez elle. Est-ce que tu penses que ça va être une motivation supplémentaire de se dire, quand l'équipe de France vient à Murrayfield, on a l'habitude de perdre, tout le monde nous voit perdant, en disant, bon, l'équipe de France, ils se sont loupés contre l'Irlande, là, ils vont s'allumer et ils vont gagner ce match. Est-ce que ça, tu penses que ça va les motiver, les Écossais ? Bien sûr, mais aussi, je pense que c'était l'année dernière, c'était peut-être la deuxième fois depuis les années 80 que nous, on a enchaîné les deux matchs avec des victoires. Donc là aussi, c'est notre test mental. Mais les gars, on a gagné à Cardiff, mais de ça, mais première fois depuis les années, je crois que c'était 2002, 2003. Là, quand même, il y a une bête blessée qui arrive. On a besoin de la tuer, quand même. Donc, c'est ça le question qui fâche. Est-ce qu'on peut enchaîner encore contre des grosses équipes sur le circuit qui, entre guillemets, avait du mal le week-end dernier, mais on sait qu'il va être ref en char, qu'il bave et va être très dur à battre physiquement. Donc, on verra. Ça va être un gros match. Et l'équipe d'Écosse, ça sera forcément menée par la star. Le Messi écossais, comme il s'appelle, Finn Russell. Toi, tu l'as côtoyé à Glasgow. Oui. Tu l'as côtoyé en pas à Glasgow. Sélection. En fait, c'est en sélection. Donc, c'est en moi, sélection. Déjà, je suis parti pour la France. D'accord. Mais c'est en sélection. Son premier, je crois que c'était aux États-Unis ou au Canada avec D'accord. moi. Et puis, on se côtoyait pendant 2-3 ans. Mais quel mec, quand même. Qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial? Parce que nous, en France, on l'a vu au Racing. Même les c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la presse, mais les déclarations qu'il a, moi en tout cas, il me régale. Pareil. Tu vois, quand il fait cette déclaration, quand on lui demande par rapport à la muscu, en lui disant bah, moi je suis pas bodybuilder, je suis joueur de rugby, moi j'adore ça. Tu vois, j'adore. Oui. Il a un franc-parler qui fait qu'il apporte une certaine fraîcheur dans notre sport où souvent, quand on voit les interviews, c'est quand même pas mal de langue de bois. Mais lui, il les cache. Même à la fin de ce match, il dit ouvertement, match à Cardiff, les mecs, ils n'ont pas écouté les consignes. Je vais les dire lundi matin, tu refais ça, tu sors. Devant tout le monde. Ouais. Mais j'adore qu'en fait, et même quand on revient sur la muscle, son surnom avec nous, c'était Finn the Muscle Russell, parce qu'il n'avait pas de muscle. Il ressemble à rien. Il enlevait son t-shirt, on rigolait. Mais côté rugby, il pue de rugby. Hein. Avec ses choix, comment il anime notre jeu, soit pour le Racing, maintenant pour Bath, l'équipe de Bath, ça explose, mais c'est grâce à lui. Hein. Mais c'est un faux visage. En fait, le nonchalance qu'il montre, derrière, il bosse, mais comme un âne. Hein. C'est sûr. C'est lui qui fait tout, hein, de A à beau, Z. Comme tous les grands joueurs, t'as beau avoir énormément de talent, mais si t'as pas un minimum tu vois, de boulot derrière, t'existes pas. C'est pas un minimum. Donc, en fait, c'est lui qui mène le travail. C'est lui qui désigne les systèmes de jeu, les structures, comment on exécute, soit c'était à Racing ou à Glasgow, et pour l'équipe de Corse, c'est lui qui nous drive, quoi. Et donc, un peu après, comme Sexton l'était avec l'Irlande. Exactement. Mais il faut dire aussi que Finn, il a un peu moins de vent. On a peut-être notre densité physique, nos collisions, ils sont un peu moins effectifs. Donc en fait, il a besoin de faire plus pour nous. Et ça, il assume. Là, c'est quand même une belle génération. Quand tu vois la ligne de trois quarts, les troisième lignes, les jeunes qui arrivent comme Darge, tout ça, c'est une belle génération d'équipe d'Écosse. Est-ce que tu penses qu'à l'image de l'Irlande, ils vont avoir ce déclic? Moi, je crois fortement qu'on peut battre n'importe qui, n'importe quand. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut enchaîner? D'accord. Parce qu'en fait, notre pool de joueurs, nous, en fait, en Écosse, on a 20 000 licences. C'est pas grand-chose. Ouais. Quand on se compare avec les Anglais ou les Français, avec 300 et quelques mille ici en France, c'est notre pool, notre réservoir. En fait, il y a beaucoup moins de joueurs. Donc,
Oui, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, sur un match. Mais est-ce qu'on peut enchaîner? Si on perd 2-3 mecs clés, ça devient plus dur parce qu'on n'a pas un réservoir derrière. Mais moi, j'aime bien le côté outsider. Mais on est aimé par les Français ou les Sudaf. Ils aiment bien comment on se structure, comment on attaque le jeu, comment Finn, il anime notre... Parce que c'est beau à regarder, c'est excitant. Ça envoie du beau jeu, c'est ça. Et que... Justement, tu me parlais des Anglais, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'on les aime pas trop. Mais est-ce que tu peux me parler de vous, de votre côté? Parce que nous, on a le crunch, mais vous, de la rivalité qu'il y a avec l'équipe d'Angleterre? Parce que vous, c'est quelque chose vraiment d'historique. Mais c'est le voisin. C'est... Donc, c'est historique, c'est un match qui est hyper spécial pour les Écossais parce que c'est le voisin. On est collé, ça ne va jamais changer. Aujourd'hui, enfin... On est tous... On est tous potes. Ça, c'est plus des rivalités de clochers. Exactement. Donc, c'est les anciennes histoires, mais il y a encore ce petit truc entre nous. Parce qu'il faut... Je pense qu'il faut garder... Ces petites animosités, ces petites rivalités historiques. Il faut garder ça. Que ce soit la France, l'Angleterre ou l'Écosse. Ce qui a fait que je voulais que tu sois là aujourd'hui, c'est que tu connais parfaitement le rugby français. Je pense que je ne voyais pas personne d'autre pour parler de ce match Écosse-France que toi. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as joué à Montpellier, tu as joué à Castres et à Bayonne. Qu'est-ce que tu en tires de ces expériences dans ces clubs français? Tes souvenirs? Non, mais déjà, je suis arrivé en 2012, en plein été à Montpellier. Mais ça, j'avais fait... C'est pas que l'été n'existe pas en Écosse. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça n'existe pas. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas les Bermudes. Hein, c'est... Mais pas trop. En arrivant à Montpellier, je suis arrivé pour le prépa physique en plein juillet. 38 degrés à 7h30 le matin. Là, je dis, mais ça va être annulé, impossible. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ce paye? Je connaissais le paye parce que les vacances, les campings quand j'étais gamin avec ma famille, c'est ça qui me marquait en premier temps. Mais puis, en tant que pro, quand même, le chaleur à 38 degrés, quand même, pour un prépa physique, je dis, mais jamais dans la vie, on va le faire. Mais on a fait. Donc, c'était une expérience. Mais là aussi, c'était Fabien Galtier qui m'a amené, qui m'a pris de l'Écosse pour jouer à Montpellier, donc c'était un autre rugby, un autre style. C'est encore le meilleur technicien que j'ai croisé pendant mes 16 années pro. Donc voilà, c'est une expérience riche sur le côté humain avec les potes français, François Tranduc, Fufour Drago, les Georgiens, Mamouka Gorgodze, les Argentins, les All Blacks. C'était un mélange, c'est ça qui m'a marqué. En fait, avec la Fédé écossaise, c'est fait pour les Écossais, avec quelques joueurs en plus. Mais là, vraiment, le top 14, c'était le mélange de culture, d'expérience, de personnalité. Et c'est ça que j'ai adoré. C'était complètement différent. Et c'est ce qui a fait que t'es resté ici, en fait. Mais oui. Parce que tu t'es pas reparti en Écosse après. Non. T'as vu dans les Landes. Ouais, dans les Sud-Landes. Donc, il y a un cadre de vie qu'on n'a pas chez nous. Mais aussi à force de travailler avec les mecs à Montpellier, Castres et Bayonne, il y a des copains. Les liens forts qui se créent. Et donc, on est super contents. Maintenant, les enfants, ils sont à l'école. Ils sont bilingues, ouais. Mais ils parlent français mieux que nous. Donc, on fait les devoirs avec eux. Et pour nous, ça devient impossible. Donc, ouais. Ouais. Donc, pour eux, ils ont leur vie. On est copains avec les parents. On a des copains de rugby qu'on a fait. Donc, on est super contents. Il y a un cadre de vie, une sécurité ici en France qu'on n'a pas chez nous. Et il y a ça qui n'existe pas chez nous. Donc voilà, c'est la base. Ça, personnellement, c'est ce qui m'a fait... même si moi, je suis tombé amoureux de Toulon, de la ville, des gens. Ça, tu l'as qu'ici. Tu l'as que dans le sud. Je disais, même si j'adore Paris, je ne me vois plus vivre à Paris. C'est impossible. Déjà parce que ma vie, elle est là, ma femme, elle est d'ici, mes enfants sont nés ici. Et ça... Enfin, tu te rends compte, plein mois de février, normalement t'es en doudoune, là t'es bord de plage, il manque plus que le rosé, on est bien là. En doudoune, en Écosse t'es dedans, c'est ça la différence. Donc voilà, non mais pareil, les enfants sont nés ici, mais c'est une expérience magique, riche. Donc voilà, et en plus le fait de, on voit beaucoup d'étrangers arrivent, mais la plupart ils repartent. Mais on avait fait un effort d'apprendre la langue, de s'intégrer,
avoir des copains, oui, les étrangers, mais aussi les Français. C'était important pour nous à la base. Et puis, pourquoi on repart? Non, on est très bien ici. Hein. D'accord. Toi, tu t'es construit en Écosse avec un père qui était international, famille de sportifs. Ouais. Est-ce que, parce que nous, on a beaucoup de fils d'eux en France. Uh-huh. On a Ntamack, Penaud, Rouma, Carbonneau et maintenant Tuilagi. Est-ce que toi, ça a été une pression d'avoir un père international ou plutôt, on va dire, une chance? Ben, c'est une chance déjà, génétiquement. Je ne suis pas comme les Tuilagi, mais mon papa il était assez fort quand même. Il faisait trois tournées avec les Lions britanniques. C'était quelqu'un de haut niveau. Mais c'était à l'époque où c'était amateur. D'accord. Donc, c'était pas pro, je savais pas qu'est-ce que c'était le rugby pro, donc c'était jamais impressionnant. En plus, mon papa, c'est mon papa, c'est pas le rugbyman que les autres y voient de l'extérieur. Donc, en fait, c'est plutôt pour les gens ou la presse qui comparent, ils insistent que... Mais voilà, mais j'ai jamais vu mon père jouer un match de rugby. Hein. Maintenant, je peux regarder, mais enfin, j'étais trop jeune. D'accord. En plus, il était à deux doigts d'aller faire le premier Coupe du Monde en 87, il se blesse. Genou cassé. Donc à l'âge de 30 ans, il a arrêté. D'accord. Donc il était très fort, très jeune. Et puis, donc pour moi, je suis arrivé un peu plus tard. Donc je ne suis jamais allé au stade avec lui, par exemple. Donc voilà, donc je n'ai pas les souvenirs qui marquent, mais c'est plutôt plus tard qu'il y a les gens qui veulent parler avec lui dans la rue ou pour échanger. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faisait, papa? C'est là que tu te rends compte. Voilà, qu'il faisait quelque chose qui était un peu à part, un peu différent, un peu. Et toi, il t'a donné, on va dire, des conseils, mais est-ce qu'il t'a donné vraiment un conseil, tu vois, quand tu as commencé ou peut-être quand tu as eu ta première sélection, quel conseil il a pu te donner? Mais tu sais que mon papa, il était le commentateur télé pour mon premier match. Hein. Donc là aussi, c'est pas comme les autres familles, c'est complètement différent. C'était lui qui travaille pour le BBC, qui commentait le match. Donc, mais on ne connaît pas autre chose, on ne connaît pas notre chemin, on a fait comme ça. Donc c'est notre famille et c'est juste mon papa quoi. Donc non, conseil spécifique, plutôt plus tard, côté santé mentale, quand il y a la pression, les blessures, tu vois, c'est pas la fin du monde quand même. C'est beau ce que tu fais. Par exemple, quand ça allait pas à Castres ou à Bayonne j'étais capitaine une année, et le pression, on perdait quelques matchs, et donc j'étais au fond de... Mais Johnny, est-ce que Lakers, basketball, c'était quoi le score le week-end dernier? Je sais pas. Donc voilà, donc il y a plus important dans le monde, il y a d'autres sports, il y a d'autres associations, d'autres équipes pro, il y a beaucoup dedans, en dehors de ce sport. Donc c'est pas un pression, c'est un plaisir. Voilà. Et donc, ils mettaient pas de pression, c'était pas les parents au bord de terrain qui gueulaient. Ils nous laissaient faire, on faisait tous les sports, tennis, foot. Golf si on voulait, natation, on faisait tous les sports jeunes. Donc il n'y avait aucune pression, c'était simplement plaisir. Et ça, je garde encore pour nos enfants, il n'y aura jamais impression. Ils font comme ils veulent. Et on a un point commun aussi, on a un point commun, un énorme point commun, c'est qu'on a tous les deux un membre de notre famille qui a joué pour Arsenal et au poste de défenseur. Toi, c'est ta petite sœur. Ouais. Et moi, c'est mon cousin. Ça aussi, c'est pour ça qu'on s'apprécie encore plus. C'est énorme, quoi. Mais toi, c'est le côté gala, ça. Oui. Ouais. Cousin. Nos deux mères sont sœurs. On a quoi, une dizaine d'années d'écart. Moi, c'est vrai que ça a toujours été quand même un exemple, un modèle dans la famille, parce que c'était le premier. Parce qu'on est une famille avec beaucoup de sportifs, mais qui a vraiment réussi. Et c'est vrai que moi j'étais assez admiratif de lui, de ce qu'il pouvait faire. Moi j'avais pour vocation aussi à être professionnel. Donc moi c'était un peu, voilà, je le regardais toujours avec des... Je n'osais pas trop lui parler quand on se croisait en vacances, parce que pour moi c'était juste énorme ce qu'il faisait. Toi c'est un rôle un peu différent parce que tu es le grand frère. Donc, comment tu as vu l'évolution de ta petite sœur arriver dans ce monde pro? Mais c'est comme les rugbymen, en fait, il y a un chemin à suivre. Ça commence avec les U18. Et à la base, moi, j'étais footer aussi. Donc, moi, j'étais le capitaine de Glasgow pour niveau U12, où on jouait contre Manchester, Bradford, les autres villes. D'accord.
Et donc, moi, j'ai changé d'école à l'âge de 12 ans, 13 ans, et c'était plutôt une école de rugby. Ma petite sœur, elle jouait avec les garçons à l'école. Elle jouait avec nous et avec mes potes quand j'étais jeune. Et puis, à la fin, elle se termine capitaine de l'équipe U12, Glasgow, mais pour les mecs. Hein. Donc, déjà, elle avait ses qualités athlétiques qui étaient un peu hors normes. C'est une machine de... elle est grande, elle est athlétique, elle va vite, elle a une vision de jeu. Mais voilà, petit à petit, elle commençait à faire ses marques, elle était prise par Arsenal. Elle a aussi vécu une année avec moi à Montpellier, où elle jouait pour Montpellier en France. Donc, c'est une expérience à l'âge de 20 ans pour elle qui était complètement différente. Et maintenant, à Arsenal depuis les années. Donc, mais ce qui est marquant chez les filles maintenant dans le foot, c'est que ça explose. Ouais. Ça explose. Elle a joué devant 3 000 spectateurs. La semaine prochaine, je vais voir Arsenal-Manchester United aux Émirats. C'est guichet fermé. Hein. Donc, il y a 50 000 là présents pour les filles chaque semaine. Elles commencent à être bien payées, elles gagnent bien leur vie. Donc, voilà, elle a bouleversé en fait un chemin pour les filles avec ses copines. Et maintenant, ça devient super pro. Donc, moi, je suis contente pour elle. Je suis content pour elle. Et là, elle a signé aux États-Unis en plus. Donc, elle a la fin de son bail. Ouais, le championnat américain, c'est considéré comme comme le meilleur championnat exactement. Au monde. Donc, elle a fait des années féminin, au Arsenal. Et là, elle part au Californie. Donc, elle va finir 2 ans et demi à la plage, 32 ans jusqu'à 35 ans. Ouais. Dans un championnat quand même qui est dynamique, avec du monde au stade, aux États-Unis. Donc, c'est... Mais c'est bien pour le sport féminin qu'il y ait des évolutions comme ça. Moi, souvent, on a eu la discussion avec les Nike Corson. C'est vrai que nous, en France, là, je parle plus du rugby féminin, ils ont du mal à prendre le wagon où, même s'il y a énormément de choses qui ont été faites par la fédération, ça, c'est énorme, mais encore, elles se sentent encore un peu dévalorisées. C'est un peu ce qu'on entend souvent quand on discute avec les filles, c'est qu'elles se sentent encore un peu dévalorisées. Tu vois, le championnat n'est pas forcément diffusé. Quelle est la différence entre vous, du côté britannique, ce que vous avez fait pour valoriser le sport féminin, et maintenant, des années que tu es en France, la différence que tu peux voir? Pour les filles, et c'est pour les mecs, c'est la même chose. Il y a besoin d'avoir un déclic. Et donc, pour les filles en Angleterre, ils ont gagné le championnat européen qui était chez elles. Donc, ils ont gagné ça, c'était les filles, les Anglaises, ils ont gagné ça. Et depuis, tout a explosé. Les pics télévision, les abonnés, les billets, tout a explosé. Donc, c'est le côté sportif qui fait et c'est le côté commercial, je trouve, qui a suivi. Donc, c'est important. Mais aussi, on voit qu'ils sont bien suivis en France. Hein. Quand on voit l'équipe de France féminin qui joue à Bayonne ou à Pau, c'est guichet fermé pour les filles aussi. Donc déjà, ils ont franchi un petit cap et je pense que c'est que le début d'une aventure extra pour les filles françaises. Bon, on espère que, en tout cas pour elles, que ça va venir, hein, vite. Ça va devenir, oui. Après, comme tu dis, il faut des résultats. Mais quand on voit par exemple la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'est bien suivi, il y a du monde au stade. Elles ne sont pas passées loin en plus. Exactement, donc ils ont fait des matchs. Donc, ça, et puis maintenant, c'est à Canal ou France Télé de diffuser les matchs. C'est qu'il y a certains matchs, je crois qu'il y a le quart, demi et finale pour les filles qui vont être diffusés, mais de faire le petit plus. Il y a le tournoi féminin qui sera diffusé d'ailleurs après le tournoi masculin. Donc je vous invite à regarder. Petite question, Johnny. Parce que moi, comme je t'ai déjà dit, Murrayfield, pour moi, c'est toujours de très, très, très bons souvenirs. Moi, ce que j'adore aussi à Murrayfield, c'est l'hymne national. Et là, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une dame qui jouait de la cornemuse sur le toit. Est-ce que tu la connais, cette personne? Non, je ne la connais pas, mais on a tous une appréciation de dingue pour elle, parce que c'est quelque chose qui est quand même... mais c'est devenu emblématique. Hein. Ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans que ça se fait, mais c'est encore un petit piment qui fait monter l'expérience pour tout le monde. Elle est là seule, elle joue pour tout le monde. Et puis, ça démarre un événement qui est quand même à chaque fois exceptionnel à Murrayfield. Puis, on chante, bien sûr. Puis le deuxième, qui est toujours a cappella, c'est quelque chose en plus qui a été ajouté. Mais je trouve que, voilà, l'ambiance que ça donne à Murrayfield, c'est quand même exceptionnel. J'ai une petite surprise pour toi.
parce que j'étais obligé quand même de te voilà, de bien t'accueillir ici à Toulon, te rappeler aussi d'où tu viens, l'Écosse, la mère patrie pour toi. Voilà, une petite surprise pour toi. Oh. Et bravo, hein. Chapeau. On se fait recevoir, Bastachon, on se fait recevoir. On va dire bonjour, hein. Merci beaucoup, hein. Je vous en prie. Merci Tiens, beaucoup. Énorme. Merci beaucoup. Le français qui fait le camp de muse. Ouais. Bah, déjà, la bien. Première question que je vais vous poser, est-ce que vous avez quelque chose sous le kilt? Les chaussettes. Ah, ça va. Bah, c'est pas un vrai concert alors. C'est ça que... Et ça fait combien d'années que je joue? Je joue depuis 15 ans, 20 ans. Ok. D'accord. En alternant un peu avec le boulot, des fois il y a eu des petits creux, mais voilà. Génial. C'est génial. C'est une passion. Ouais, c'est une vraie passion. Les Français qui jouent Cornemuse. C'est là, j'ai pas tous les jours. Hein. On a un petit clan sur Toulon, là. Ah bon? Ah oui. On est 5-6 à jouer de la cornemuse. Ah oui. D'accord. Mais tu vas jouer avec eux, à Toulon. Mais ça vous est déjà arrivé, par exemple, quand on recevait des équipes écossaises en Coupe d'Europe, parce que je sais qu'à Toulon, à Mayol, on joue les hymnes. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer l'hymne à Mayol? Non. Non? Il y a un copain, moi, qui, je crois qu'il a joué une fois. Ouais. Il a réussi à... Parce que là, on avait Glasgow dans la poule, c'est bah pour oui. ça... Ça va se faire, là. Oh, bah, avec plaisir, nous, on est disponible. Hein. Ah. Et pas cher. Et pas cher. Bon, merci beaucoup. Hein. Bah, merci, en tout cas, beaucoup. C'était, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, Et ce week-end. Vous jouez? Non, non. Tu joues pas, toi? Non, non, non. Là, c'est fini. On va être spectateur ce week-end à Murrayfield. Donc, on va revoir. Donc, génial. En plus, le kilt, j'adore. Et c'est quoi comme carreau, tu sais? C'est Heritage of Scotland. Ok, top. Johnny, j'espère que la surprise t'a plu. Okay. Mais comme j'aime bien recevoir les amis, j'ai une deuxième surprise pour toi. Tu vas bien? Très bien, merci, et toi? Très bien. Bonjour, tu vois. Très bien, merci. Ça, c'est dingue. Je sais recevoir Chapeau. Les gens, moi. Chapeau. Je sais recevoir les gens, on reçoit les gens comme ça au Bastacho. En plus, je crois que vous vous connaissez. Mais on a joué ensemble. En 2008, on a joué pour Écosse A ensemble, contre la Géorgie, je crois. Contre la Géorgie. On nous a annoncé, il y a un joueur qui joue pour Toulon, qui est écossais, qui va venir jouer avec vous. Mais c'était Phil, donc magique. Il y est encore, il adore sa vie ici, donc... Ça fait plaisir de te voir. Je suis très content d'être là avec vous. Bah, Philippe, c'est quand même une sacrée légende ici, quand même. Hein. Je sais bien. C'est l'Écossais le plus connu ici. Deux titres de champion de France Pro D2. Pro D2, exactement. 2005, 2008. Tu as été ça. Capitaine aussi. Oui. Tu vois, oui. Ça, c'est un truc qu'on partage. Et pour la petite anecdote, Philippe est la personne qui m'a défendu la dernière fois que je suis parti en commission à l'EPCR. Donc, on se connaît aussi. Bah, t'as gagné? Oh, on s'en est bien sorti. Ça s'est bien passé. Ouais, on s'est très bien. On s'est bien passé. Ouais, bien passé. Bon, moi, je suis un peu intrigué par ça et j'aimerais bien que tu nous montres, enfin, ouais. que tu me montres deux, trois skills. D'accord. Bon, en fait, c'est un instrument. Il y a une poche. D'accord. Et il y a comme une flûte sur laquelle on joue la mélodie. Et après, là, c'est trois autres flûtes, on va dire, qui font une note permanente d'accord. sur laquelle on ne peut pas changer. D'accord, d'accord. Et donc du coup, il faut bien sûr accorder tout ça ensemble. Ah. Et donc du coup, il faut arriver à jouer tout ça. Mais je crois que tu as un cours de prévu. Donc, allons-y. Merci. Mais tu sais faire. Oui, bon, moi, tu... Moi, j'ai jamais fait non plus. Moi, donc, je sais tout faire, moi. Quel côté? L'autre côté. La poche. Quoi ça? Sous le bras, voilà.
Et tu tiens le truc hein, d'ici. Hop. Comme ça, ça va dessous et on souffle dedans. Et on souffle. Allez. Tu peux lâcher là. Allez, il faut maintenir après. Là, tu peux. Comme ça. Et après, on appuie avec le bras pour maintenir la pression. Hop. Voilà. Premier cours. Ça y est, hein. On va essayer, hein. Vas-y, hein. Alors, comment je fais? Voilà. Comme ça. Ouais. Hop. Alors, ouais. Je vais la tenir. Et voilà, ouais. On souffle dedans. La main, là, elle peut venir là, voilà, okay. Ici. Et tu peux remplir la poche, souffler. Et quand tu ne souffles pas, il faut appuyer avec le bras pour maintenir la pression. Il faut y aller quand même. Voilà, mieux, encore. Il faut le faire sonner, lui. Allez. Voilà. C'est bon. On a des paquets de chips. Hein. Il va falloir qu'on se remette un petit peu. C'est là, pas évident. Il va falloir travailler le cardio là parce que c'est. Là, j'ai fait mon. Ça demande de la coutumance. Ah oui. Johnny, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Voilà, j'espère que tu t'es régalé, t'as passé un bon moment. En tout cas, il y avait du soleil. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode du Basta Show la semaine prochaine avec un nouvel invité et dans un nouvel endroit. Voilà, ciao. Merci.